Quand midi Basse-Terre, j'ai envie de dire midi La Réunion, mon pays, mon aimé. C'est, comment ça, c'est identitairement, culturellement, mais même socialement, c'est important quand même d'avoir une base où ça coupe repose au-dessus. On m'a découvert la photo en 80, fin 85, on va dire 86. On m'a découvert un bonhomme qui s'appelle Claude Testa, qui était photographe au quotidien à l'époque. Et lui, il a transmis à moi la passion, le goût d'écrire à la lumière. C'est ça que l'important quand même pour moi de souligner, c'est qu'en art, en tout cas la présidente Sophie Barreau, ces autres l'a permis à moi de disposer. En discutant avec Zot, mal arrivé à quand même sortir 20 photos. Pour moi, il fallait essayer de toucher un petit peu à tout. C'est vrai que m'a axé sur le quartier parce que, alors, est-ce que l'était voulu ou pas? Dans ma tête, il était clair que tout ça, il allait disparaître, tu vois. Et comme il revoit les photos maintenant que m'a gardé, il me dit, ouais, c'est un bâtiment que la remplace notre terrain de jeu, tout ce quartier de Jolifond, où ça que nous il avait des champs de canne, où ça que nous allait aider notre bonne camarade, coupe canne, rod maï, rod manger pour vos animaux, tout ça, mais tout ça a disparaître. Et il ne me regrette pas finalement. Ces scènes de ville inspiraient les textes et les musiques de Basse-Terre. Comme il regarde ces photos, il me dit heureusement que ces personnages-là, ces gens-là, ils existaient. Ma maman qui fait le pâté, qui baigne ma première nièce, Sarah, dans le bassin. C'est ça qui fait que finalement, moi, je suis témoin, je suis acteur direct par rapport au fait que je photographie les photos. Et me dit, non, voilà, heureusement que ces gens-là existaient finalement, tu vois. Je pense que dans mes photos, ça que je retrouve, c'est que où sont des gens naturels, parce que j'ai toujours essayé de donner comme si que moi, finalement, je n'existe pas. Comme aller sur scène, comme aller derrière un appareil, comme aller là, j'essaye d'être moi-même en tout cas, mais je fais comme si que j'allais comme ça finalement.